Écoutez, on vient d'arriver dans notre villa pour cet été. Et regardez, un typique Roche-d'Irvien, c'est juste magnifique. Franchement, je kiffe, on adore avec les enfants. Mr. K valide aussi. Regardez cette beauté. Regardez ça. Trop joli. Donc là, les enfants ont hâte d'aller à la piscine. Attention de ne pas tomber dedans quand même. Regardez comme c'est grand. T'as vu? C'est fou. Alors, Mr. K, tu valides? Oui? C'est juste beau. C'est juste trop beau. Là-bas, on a la petite douche. Ici, piscine ici qui est un peu profonde là et qui va jusque là, qui rapte ici. Et à l'intérieur, je vous raconte pas, regardez l'architecture de la cour, c'est juste magnifique. J'aime trop comment c'est fait. C'est juste trop beau. Trop hâte de nager. On a même les gilets de sauvetage ici, enfin les gilets de natation. Et on va vous montrer à l'intérieur. Les belles fenêtres. Regardez ça. C'est trop beau. Hein, Valkous? Regardez. Bon, on a commencé à s'étaler. C'est quoi? C'est ton palais? Ah, c'est le palais de la reine, de la princesse. Et wow, elle est où la princesse? Hello! Waouh! Valkous, vous avez une trop belle chambre. Et voir? Trop jolie, la chambre des enfants. Là aussi, on a des placards. Donc, il y a la clim, parce que sinon, il fait très très chaud. Il y a la canicule à l'extérieur. Oh, ici, on a un petit salon. Typique aussi d'Irbien. Voilà. Là-bas, on a la cuisine. Donc, c'est ouvert sur le salon. Ici, bien sûr, il y a la télé. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les filles. Je vous mets tout ça en barre d'infos, toutes les informations sur la villa. Et je vous mettrai dans le petit i les autres vidéos et les autres villas qu'on a louées les autres étés, les étés précédents. Donc, la cuisine, regardez. Petit carrelage mosaïque, trop joli. Ici, on a la buanderie, petite buanderie. Et là, on a la douche. Pareil, avec un joli parterre. Un joli carrelage ici. J'ai commencé à enlever mon foulard déjà parce qu'il fait énormément chaud dehors. Il doit faire 40 degrés. Et voilà, on a juste hâte, franchement, d'en profiter. Trop hâte d'en profiter. Et maintenant, la pièce maîtresse, notre chambre. Je vous montre donc l'escalier déjà, qui est juste trop joli. Et là, il faut faire attention à la tête ici, en montant. Et regardez, ça c'est la chambre des parents, chambre des amoureux. Waouh, trop beau. Franchement, ça me plaît trop. Alors les photos, c'est la même chose en fait. Ce que vous voyez sur le site et ce que vous louez. Regardez ça. C'est pas magnifique, franchement. Bon, après une après-midi de piscine, on s'est vraiment super bien rafraîchi. On va, alors pour mon anniversaire, c'est mon anniversaire aujourd'hui, 41 ans, et oui, je suis vieille, la vieille de la vieille. On se fait un petit barbecue ici, Mr. K est en train de préparer. Moi, je vais aller faire quelques frites. Là, merguez pour Monsieur Mouton. Et voilà, le charbon qui arrive. Et regardez le joli barbecue qu'on a aujourd'hui. Un barbecue dans une amphore en fait. Ça se fait beaucoup ici. Et là on peut fermer même cuire à l'étouffée si on veut. Nargis alors, tu vas manger le barbecue? T'as hâte? Bon, je vous invite, c'est mon anniversaire. Allez, asseyez-vous. Bon, du coup, le dessert est prêt. Allez, la pastèque rafraîchissante. Tiens Nargis, je mets ça sur la table. Allez, on vient de prendre le petit déj, on s'est reposé un tout petit peu. Et maintenant, c'est l'heure de se rafraîchir. Soussou, viens par ici, je te mets ton gilet de natation. Viens par là, laisse-la la libellule, mon bébé, laisse-la. T'as rien fait, laisse-la. Viens. Soussou, il va mettre son gilet. Ça, c'est le gilet que je lui avais acheté d'ailleurs. Je vous mettrai dans le petit i la petite vidéo d'achat de vacances où j'ai acheté ce petit gilet là pour Soussou. Voilà, et franchement il est top. Je voulais acheter le même pour Balkis, sauf qu'en fait il arrivait trop tard et nous on partait en vacances avant. Éloigne-toi du bord, Souleymane. Viens mettre ton gilet.
suis à la villa. On est en train de finir de nager. Ça y est, les enfants sont presque secs. Hein, Belkis ? T'as bien profité, Soussou ? Et ils sont en train de regarder un peu de dessin animé le temps que maman fasse à manger. Donc aujourd'hui, au menu, je vais faire un couscous. Et je vais faire quelques grilles coton. Donc voilà, le petit menu de midi. La plupart du temps, en fait, ce que je fais, c'est que je cuisine pour midi, mais le soir, on mange à l'extérieur. Et on prend un bon dessert à l'extérieur, donc soit une glace, soit un gâteau, ou un truc comme ça, quoi. Et donc on en profite. Et ça peut arriver aussi qu'à midi, on mange à l'extérieur ou qu'on ramène à emporter, en fait, à la maison. Donc on a bien, bien nagé ce matin. On s'est levé pas aux aurores, mais presque. Et voilà, donc on profite. Moi, je suis dans ma petite cuisine ici. Voilà, pour savoir comment louer ce bien, en fait, cette villa pour venir profiter quelques jours à Djerba, je vous mettrai tout en barre d'infos. De toute façon, comme je vous ai dit, moi je le loue via Airbnb toujours pour pas avoir de surprise et pour que s'il y a quoi que ce soit comme problème, en fait, au moins je suis c'est sécurisé. Vous pouvez être remboursé, voilà, vous pouvez faire une demande via, en fait, le service client. Voilà, donc écoutez, j'y vais de ce pas, je vais aller faire ma petite cuisine parce que les enfants, je crois qu'à force de nager, ont trop trop faim. Mr. Kay est parti me chercher quelques oignons, j'ai oublié de ramener des oignons avec moi. Et Nargis est encore dans la piscine. Hein? Ah, Mr. Kay arrive, ça y est, vous le voyez? Il me ramène mes oignons et je crois aussi des gâteaux. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un paquet de loin. Des millefeuilles. Ça, c'est mon petit péché mignon du bled. Les millefeuilles tunisiens. Voilà, vous les avez vus la dernière fois et vous les revoyez là. Waouh, miam miam. Trop hâte de goûter. Merci, Mr. Kay. C'est gentil. T'as ramené les oignons? T'as trouvé? Ah, super. Ah, et un beau gars. Il est frais? Il est frais en plus. C'est bien, sahit ya Kamel, sahit ya Kamel. Ouh là là, bon les loulous, donc j'ai hyper chaud, je suis encore dans la cuisine, ça y est, le couscous est prêt, les frites que je vais mettre dessus sont prêtes, les briques sont prêtes, il ne reste plus qu'à frire le poisson et les poivrons, donc c'est parti pour le service du couscous. Enfin, le poisson est prêt, ça y est. Je vais rejoindre la petite familia. J'ouvre la porte à l'aide de mon pied. Et c'est parti. Alors, vous êtes où? Ça y est, vous avez tout mis? T'as déjà fini ton couscous? D'accord. Et hop. Voilà. Alors, tout est prêt. On a le poisson. Le couscous, le bon couscous. Alors cette fois-ci, j'ai pas cuit le poisson dans la sauce comme je fais d'habitude. Je l'ai pris à côté. Là, j'ai mis que les légumes et nos petits poivrons ici, un peu à peine piquants. Le boga, cidre bien sûr. Les petites briques et Soussou et Nana et Balcoussette et Lila et Mr. Kay bien sûr avec nous. Voilà. Allez, c'est parti. Miam miam. Bon appétit. Alors Mr. Kay, t'as fini ta sieste? Balcoust. Tu te régales? C'est rafraîchissant? Nadjust? Ça va? Alors? Ça fait du bien de se rafraîchir? Oui? Hey! Ça y est, donc ça y est, on vient de terminer. On a bien nagé, on a pris un petit goûter. Donc là, on sort, on va les faire promener un peu dans Djerba. Ensuite, manger ce soir à l'extérieur et aller prendre un délicieux dessert chez Stellina. Une bonne glace ou un yaourt glacé. Je vous assure, elles sont trop trop bonnes chez eux. Alors les loulous! Vous sortez manger dehors? Oui. Ah, Belkous, vous avez bien nagé tout cet après-midi, hein? Vous n'êtes pas fatigué? Oui. Non, non? Si. Et toi, Monsieur Kay? Fatigué? Ça va? Le beau gosse. Il s'est coupé les cheveux après l'Aïd.
pris une pizza 4 fromages. Une pizza, je crois, suprême. Voilà, une suprême. Trop bonne au poulet. Et une au pepperoni pour les beaux yeux de Nargis. On va se régaler. Bon appétit, les zouzous. Bon appétit. On s'est assis juste en face de la mer, là. Et on est chez Baba Slim. Voilà. Nya. Et comme d'habitude, on termine avec le dessert chez Stellina. Allez, on y va. Bien, bien. Bon, moi, comme à mon habitude, yaourt glacé. Hein. Tu veux goûter sous goutte? Yaourt glacé avec noisette, caramel, chocolat blanc. Bah, qui se mange la tienne? Sabah al-khair. Troisième jour aujourd'hui à la maison, à la villa. Regardez cette beauté de bon matin. Regardez les plantes, comment elles se reflètent dans la piscine. Trop jolie. Et aujourd'hui, on petit déjeune ici. Monsieur Kay, qui prépare le petit déjeuner. Allez, viens. Tu viens, Soussou? Ah, t'as réussi à nous emmener des petits pains en chocolat. Bien. Des croissants, des pains en chocolat. On a même des millefeuilles bien chauds. Et ça, c'est quoi? C'est mon café? Ah oui, et mon café au lait. Il vient du café d'à côté. Du pain. Allez, au petit déjeuner. Hello ma copine de Transat. Coucou, je te vois pas. Ça va? Bah, le cousin qui s'est installé avec moi. Par contre, tu restes pas plus de quelques minutes, hein? Tu restes pas beaucoup, le soleil il est fort ce matin. On a pris de quoi se rafraîchir. Allez, tiens ma copine de Transat. Ta petite bouteille. Par contre, mets bien ton chapeau sur ta tête. Miam, miam, miam. Qui veut se rafraîchir? Je te mets un peu de brume SPF 50, allons faire bien. Ça brille en plus, plein de scintillantes. Les bras. Voilà mon bébé, t'es pas mieux à l'ombre là? Parce qu'au soleil, le soleil il est trop fort, c'est mieux comme ça. T'as un tout petit peu comme ça de soleil juste là. Non mon bébé, tu brûles là, non, non, c'est dangereux. Des gros coups de soleil, c'est pas bon. Soussou, tu mets ta casquette. Elle est où la casquette, là? Elle est où ta casquette, Soussou? Alors, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Il y a un chat qui est venu. Il a senti le barbecue. Regardez, il est venu juste devant la maison. Hello, le chat. Coucou, le chat. Bon, les chouquettes, ce soir, on est encore sur un petit barbecue que Mr. Kay nous prépare. Donc, on a tout mis ici. J'ai fait une petite sauce, j'ai fait quelques petites frites. Mr. Kay a préparé sa viande. Les merguez sont au barbecue. Voilà, on lui donne un petit bout de merguez. Chacun son tour. D'abord, attends, non, vas-y, donne-lui. Attends qu'il finisse de manger. Voilà, il finit celle-là, après, Belki, ça lui donne. D'accord, il se régale. Voilà, au souk avec Nana. Au souk de Djerba le soir. C'est la première fois qu'on y va le soir. Il y a ce souk qui est là. Et les enfants ont vu un petit chat. Là-bas. Là, regarde. T'as vu? Thank you.
quel jour on est aujourd'hui, je crois 6e ou 7e jour à la villa. Et ce matin, c'est matin shooting avec Mr. K. J'ai mis une tenue tunisienne, elle est super jolie, vous la verrez bientôt en détail donc sur Instagram. Elle est juste magnifique. Alors j'ai trouvé d'autres couleurs, mais je me suis dit le doré, je sais pas si ce que vous en pensez, mais c'est juste trop beau. Regardez les manches. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime les habits traditionnels de mon pays, mais c'est trop joli. Trop beau, regardez le travail. Coucou les loulous, j'espère que ça va. Mes petits loulous, je vais fermer les fenêtres parce qu'on ne s'entend plus. Surtout en plus qu'il y a la clim. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai une tête de fatiguée. Mais ça va, j'ai rattrapé le coup en allant me faire un petit soin. Je vous mettrai quelques images. J'ai fait un soin visage hydrafacial ici à Djerba, chez l'Institut Maison du Professionnel. C'était juste, mais trop bien, benissimo quoi. C'était franchement trop bien, l'accueil était top, le soin était top et franchement ouais, le résultat est juste top. Là j'ai pas de make-up du tout les filles, j'ai vraiment rien du tout, j'ai pas de d'anti-cerne et je sens ma peau après 8 jours de chlore et de soleil qui revient enfin aujourd'hui. Donc ça y est, on a quitté la petite location, en fait la maison, la grande location qu'on a fait à Djerba. Et maintenant, on s'apprête à aller, donc pour terminer le petit séjour à Djerba, aller à Guelala. Guelala, en fait, si vous voulez, pour les non-connaisseuses de Djerba, c'est une petite ville dans Djerba, en fait. C'est vraiment, ça fait partie de Djerba, qui sont connues. La petite ville est connue pour la poterie. Et donc, ils font de très très belles poteries, de très très beaux trucs, vraiment. Donc, je vous emmène. Vas-y. Donc l'entrée du festival de Guelala, c'est ici. On va aller voir les exposants, les expositions de poterie. Avec l'ambiance à l'entrée. Tu danses? Voilà. On va aller acheter quelques petits trucs. Wow, t'as vu comme c'est beau? Par contre, il fait une chaleur de dingo. En fait, ils mettent le feu ici et ils cuisent des poteries dedans. Ouais, ça y est. C'est un four à poterie, pour cuire les poteries. Et en plus le festival, il est fait dans des classes d'école. Regardez, le tableau à l'ancienne. Ça me rappelle les souvenirs de l'école en Tunisie, quand j'avais fait 2 années en Tunisie. Donc voilà la poterie qu'il y a, regardez. C'est super joli. Elle est comme celle-là. Là on a des très beaux modèles, là aussi. Tout là. Là vous avez cette couleur ocre ici. Et ici vous avez ceux qui sont comme ça. J'aime beaucoup. Regardez ça, j'aime beaucoup. Franchement, je pense en prendre un pour me montrer en fait. Mettre quelques petites plantes sèches ou des vous savez, des pampas en fait, dedans. C'est super joli. Bon, on va aller voir celui-ci. Donc là, on est sorti du Maharajan avec Mr. K. On va voir. Ça, moi, le pot, celui-là, le grand. C'est un pot ou ça? Ce genre de pot. Ça, j'aime bien. Regardez comme c'est joli. C'est magnifique. Trop beau. Et puis là, regardez derrière, la porte, elle est trop belle. Et derrière, c'est une pépinière en fait, c'est trop joli. Re-coucou les loukoum, re-coucou. Alors faites pas attention à ma tête, c'est à ce moment-là, quand j'ai mis mon hijab blanc, que je me suis rendu compte du bronzage que j'ai pris. Je me regarde dans le retour de la caméra là. Oh mon dieu, et j'ai des cernes les gars, mais incroyable. Pourtant j'ai fait le soin là tout à l'heure. Enfin, bref, ça y est, on est de retour à la maison. Enfin, on vient de rentrer chez nous après 8 jours passés à Djerba dans la villa. Franchement c'était génial, mais c'était fatigant. Et je vous assure, il n'y a pas meilleure impression et sensation que de rentrer chez soi. There's no place like home, les gars, je vous assure. Donc là, on vient de rentrer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté tout à l'heure au festival de Guelala. Donc les petites poteries. Et on s'est arrêté après au petit magasin là. Et on a acheté aussi d'autres choses. On a acheté des plantes. Et du coup, je vous montre tout ça. Alors, on commence par les deux petits cadres ici. Enfin, deux gros cadres. C'est des morceaux de, je crois, 10 sur 10 là. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 morceaux. Donc dans chaque tableau, j'ai trop aimé ça, franchement. Ma fille m'a dit, ouais mais maman c'est quoi ce soleil? Moi j'ai dit, attends mais c'est trop beau.
le soleil, tout ce que j'aime. Voilà, c'est, je crois que ça reflète un peu mon caractère. Les citrons autour, là, tout autour, les citrons jaunes, pareil, j'adore les agrumes. Et ici, on a un petit tableau un peu voilà, typique tunisien. Ensuite, on a ce genre de grand panier, grande jarre, enfin, je sais pas comment on appelle, c'est pas une jarre, de grand bol, voilà. Ça, je l'ai pris chez Paris au festival aussi. En fait, c'est plein de petits commerçants de Djerba, de Galala, qui viennent exposer. Donc ça, je l'ai pris à 25 dinars. Franchement, c'est pas cher du tout. Et c'est fait donc à la main, ici, par la famille Moujahed. Ça, c'est 25 dinars. Et en fait, eux, à la base, ils mettent le psis dedans, donc la pâte, en fait, qu'on mange le matin. Mais moi, j'ai dit qu'avec des oranges à l'intérieur, ou des citrons, ou même du raisin, ça ferait super joli. Voilà. Ensuite, on passe ici. C'est pareil, je l'ai pris aussi au festival, là, à l'exposition. J'ai pris trois pièces, en fait, qui vont ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est des petites... enfin, des bougeoirs. Voilà. Super serpent en poterie. J'ai pris aussi, regardez, la charcarte, la tirelire. C'est trop bien. Donc ça, c'est une tirelire. En fait, on met l'argent, on pose, vous mettez l'argent. Et à la fin, une fois que vous avez rempli, vous la cassez par terre et vous ramassez tous vos sous. Donc voilà les trois pièces que j'ai prises ensemble. Donc j'ai pris pas dans le même modèle. J'ai voulu casser avec ce petit vase-là qui n'est pas de la même famille, quoi. J'ai pris la deux boules, mais là, celui-ci, je l'ai pris un peu plus long. Je me suis dit comme ça fera un peu dépareillé, mais voilà, tout aussi joli. Ensuite, chez la boutique, en fait, pas au festival, j'ai pris le pot. J'avais le même déjà, j'avais mis mon autre plante. Donc ça, c'est un gros pot, je l'ai eu à 12 dinars. Donc une plante ici, j'ai pris du basilic, là. Une autre plante, j'ai pris ce cactus, trop joli. Donc le cactus et le petit pot, me l'a compté à 12 dinars aussi. Et ça, il me l'a compté, ce pot-là, à 6 dinars. Donc franchement, j'ai fait une très très belle affaire. Ensuite, j'ai acheté cette assiette-là, en guise de, on appelle ça, de vide-poche. Bon, là, il y a un peu tout, c'est un peu trop. Mais après, il faudra enlever les lunettes, etc. Bien sûr, le petit tambour que Baby Soussou a déjà cassé. Hein, on est à peine arrivé qu'il est déjà cassé. Ensuite, j'ai pris cette assiette-là, super jolie. Et j'ai pris ce gobelet, enfin, cette chalbeya. Donc voilà, ça, c'est pour boire de l'eau. Et franchement, quand vous buvez de l'eau là-dedans, c'est super rafraîchissant. Et voilà les louloutes, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu autant que nous. Le voyage nous a plu et les vacances nous ont plu. N'hésitez bien sûr à cliquer sur j'aime si vous avez aimé le vlog, c'est super important, ça m'encourage à vous continuer les vidéos. Je sais que souvent vous aimez les vidéos mais vous oubliez de laisser un commentaire, vous oubliez de cliquer sur le pouce j'aime vers le haut. Donc faites-le, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie encore d'avoir suivi nos vlogs spécial Tunisie et spécial vacances. On va pas tarder nous à rentrer de toute façon, ça y est, des vacances. On vous fait de très 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 gros bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bisous!